Es ist die Bödeli-Bahn-Lokomotive C4. Es ist die Nummer 3 von 3 Lokomotiven, die gebaut wurden. Die beiden anderen sind diese 500 PS, Eigengewicht 61 Tonnen. Zu erhöhender Zugkraft braucht es mehr Räder, was aber beim Fahren von engen Kurven hinderlich ist. Deshalb befand der Schweizer Ingenieur Anatole Mallet diese Art von Gelenklokomotiven, was aber eine doppelte Mechanik erforderte. Zeichnung von 2x2x2. C'est bien, c'est que vous faites un bon sens. Ah, c'est bien de faire 2000. Ouais, on voit la vapeur. Il fait très chaud, je pense. C'était des petits regards, il a bien la patte de tandem, ce qui lui permettait de circuler dans les deux sens, qui permet en avant, en arrière, sans pas les années. Elle porte en elle une faible réserve donc de charbon, et ça suffit,
chez lui, mais je ne sais pas où c'est, je ne sais pas qui c'est. Mais il a du tout. Comment? Il a du tout. Ah, c'est chez moi. Tu dois m'amener à l'armée. Quasiment 60 km à l'heure, 116 chevaux. C'est la version moderne de la robuste locomotive de manœuvre qui représente ici la. C'est vieux ça? Non, mais c'est la numéro 14. C'est la numéro 14. Ça roule bien. 3-3. La rupture avant de retomber d'ancien modèle. Prochaine grande manifestation. C6 der Spiez-Erlenbach-Zweisimmenbahn, die ja zur BLS-Gruppe gehört. Die ersten Elektroloks haben eine gewisse mechanische Ähnlichkeit mit den Dampflokomotiven. Ah, c'est fini. Ah ouais. Ah oui, ça part bien. On trouve qu'il y a 51 exemplaires en deux. Fahren in unserem Parcours ist jetzt der jüngere Bruder oder vielleicht, wenn Sie wollen, die größere Schwester. Es ist die CE683 mit grünem Anstrich. Die Krokodile aus dieser zweiten Serie erkennt man auch am unterschiedlichen Gesteck. Letzte Vertreterin mit Stangenbetrieb, 98 Tonnen schwer, das ist die 2000 PS. Ja, man sieht, ist unser Spaß. C'était sûr que t'as pas un bouton qui est bloqué. J'enlèverai le zoom puis je le remettrai. Et déjà, il y a un moment, ça me prend 20 minutes. Il y a plus les bielles. Alors voici une qui a rendu des services, d'immenses services, d'innombrables services. C'est la première, regardez bien, regardez-les en face, c'est la première qui a des paupières. Le programme c'est marqué A3-6 Ah mais il a dit A3-6. Non attends, le 2 qui est en jeu, ça c'est bienveillant. Comptez 1, comptez 2. Vor allem ihre Vorbauten, die zum Erfolg beitrugen. Der neue Buchli-Braun-Mobil-Antrieb fand auch in Saarland und anderen Ländern dann Anwendung. Sprungstück übers Gleis. Für die Gotthardbahn entstanden zwischen 1931 und 1939 drei solche Lokomotiven.
Es sind zusammengekuppelte 4-7, wenn man so will. Es ist die berühmte AE-814. Gerade rechtzeitig zum damaligen Jubiläum 50 Jahre Gotthardbahn 1932 entstand diese Maschine. De l'EBT. L'EBT 233. Regardez bien, c'est la première locomotive à Bogie, la BE44. C'est Séchon qui a sorti ce modèle. Et à Bogie, à 1939 macht sie ebenfalls zum stolzen oder machte sie zum stolzen Ausstellungsstück an der Landi, an der Landesausstellung in Zürich 1939. Elle est sûre d'elle et vous avez raison de l'applaudir. Elle est plus longue. C'est l'automotrice du Zivtal qui remonte à l'année 1924 et qui a été tout à fait remarquablement rénovée par les bénévoles du Zürcher Museum. Gleich dieser Gepäcktriebwagen der Lesbien, der wurde in Pendelzügen eingesetzt und fast keine Passagiere. Er trägt die Bezeichnung DE44. D ist eben der Buchstabe für Rainer Gepäcktriebwagen. Er stand sowohl in solchen Funktionsbetrieben wie auch an der Genfer. 36 ans, pas très puissant, mais ça n'a pas été fait. Parce qu'elle ne dit rien, elle fonçait toute seule, la flèche. Et puis, de réagir en temps de crise, il y en avait d'autres, crise économique, envers la concurrence automobile qui naissait en France. La flèche rouge, eh ben c'est la flèche de rêve. Die Spitzengeschwindigkeit von 125 km/h. Unser nächster Gast kommt aus dem Sensetal zu uns nach Lausanne-Triage. Der ehemals blaue Pfeil, er ist jetzt grün. Aber immerhin war der blaue Pfeil der BLS und der Bern-Neuenburg-Bahn BDE 46. Er hat 156 Sitzplätze, zweite Klasse. Diese Komposition wurde 1986 der Bern-Neuenburg-Bahn. Oui, 4 essieux moteurs pour 8 essieux. Elle roulait à 150 km à l'heure en 1900. C'est de la double flèche. Là, il y va tout. Il y va tout lentement. Ça n'est pas pour attraper l'autre, c'est mieux à nous. Applaudissez là quand même, là sur la tribune. Si je le faisais à Churchill, parce qu'elle avait été mise à disposition de Sir Winston Churchill. Das auf der Strecke nach Einsiedel eingesetzt wurde. Es ist die ABE44. 125 Stundenkilometer war man ihrer Spitzengeschwindigkeit. Das Exemplar, das wir jetzt hier sehen, fährt noch Maximum 90 Kilometer in der Stunde. Vielleicht hier die Anmerkung, dass das damals ganz neue Züge waren, des Südostbahn. Par le chemin de fer, Eutigel, Pasta. Là aussi, on n'est qu'en 1940. On est avec un ingénieur.
Schnelle Dreigestelllokomotive, der BLS AE44. Ich habe ihm das Tempo nachgeschaut. Doch, doch, man kann sagen, ein sehr schnelles Exemplar mit 125 Kilometern in der Stunde. Diese Lokomotive, meine Damen und Herren, die man hier... Et puis si on la crée, les... Elle peut siffler aussi, mais ça n'a rien à voir. RE441, numéro 10. Diese Lok nannte man etwa auch das Krokodil, aber c'était le Krokodil du Val de Travers. Offizielle Bezeichnung EE44. Mit seinen Drehgestellen und seinen de conception électromécanique. C'est une machine totalement fiable. On peut lui faire confiance. C'est la dernière en fait. Qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve. Elle demande qu'il plus ait peu d'entretien. Puis elle est belle. Est-ce que ça n'est pas idéal quand même? La E66, elle a été construite, j'en suis tout ému, à partir de 59 jusqu'à 66. Vertreter seiner Zeit, damit Dampflokomotiven auf nicht elektrifizierten wurden in den 60er Jahren ca. 100 Diesel aufgestellt. Puis le matin tôt, c'est pareil, ils sont toujours les premières levées. Première levée, dernière couchée. Les EE33 ont été construites pendant plus de 30 ans, entre 62 et 93. Là, vous en avez, si je ne fais erreur, deux exemplaires, une version bifréquence, utilisée à l'origine par ja, es gibt wirklich für alles eine Klassifizierung. Und damit ist eigentlich auch alles gesagt über dieses Fahrzeug. Man traf diese Wagen vor allem auf Nebenlinien im Pendelbetrieb an. Gebaut wurden sie zwischen 1952 und 1955. 40 Sitzplätze seit 1996 als historisches Fahrzeug. Aujourd'hui, elle circule essentiellement dans les trains régionaux. C'est une locomotive, une automotrice qui a l'air de rien, comme on dit, mais qui arrache. Elle roule à 125 km à l'heure. 2720 chevaux. Eine Rolle spielen kann. Es ist die Epoche, wo dann auch berühmte Designer wie Colani und andere beigezogen wurden. Also diese Triebwagen vom Typ ABDE44 heute auf den Schienen zahlreicher Privatbahnen. 60 Sitzplätze in der ersten Serie, 6 Sitzplätze in der Klasse, 47 in der zweiten Klasse. Elle a été construite entre les années 68 et 80, ce n'est pas... Elle ne passe pas très bien, 51 000. Elle ne roule pas très vite, 70 km à l'heure. Elle n'est pas très vite. Vor allem der Einsatz im Vorortsverkehr von Zürich auf der Strecke Zürich-Rapperswil. Der Goldküsten-Express zeichnet sich ja durch energisches Anfahren an. Und im Berufsjargon hat man diesen Zug sogar eine Zeit lang gesagt, Mirage. Also Allradantrieb auch bei den Bahnen. On appelle la mienne. On appelle peut-être que c'est la S1.
Les essieux sont moteurs, ce qui veut dire que dans cette année, c'est celle qu'on voit beaucoup maintenant, qui a été construite à d'innombrables exemplaires, près de 300 unités. Et si on compte la RE443, qui est la variante du Saint-Gothard, la même allure, peut-être un seul pantographe et une démultiplication qui fait. Hat und am Simplon für Züge bis zu 800 Tonnen Gewicht eingesetzt. Die RE66 zieht mit einer Leistung von 10.600 PS, eine Fahrgeschwindigkeit von beachtlichen 80 km in der Stunde, wobei die Lokomotive selber 120 Tonnen schwer ist. Es gibt auch zwei Exemplare der RE66. Baujahr 1980. Auch diese Maschine ist mit Asynchronmotoren bestückt. Diese Lok ist häufig hier im Rangierbahnhof von Lausanne-Triage anzutreffen, also sozusagen einheimisches Schaffen. Et là, avec cette RE66, c'est la version électrique. Officielle Delegation, c'est c'est Also hier ein Kolibri-Zug aus dem Valais de Jour. B comme pont, bien sûr. La marche, le moteur, il est allé dans la cabine. Colibri. Il a roulé dans la cabine. C'est un copain à nous. Qui est né en 1989, qui est venu qui est 140 km à l'heure en montant de VHR. Peut-être en descendant de VHR sur VHR, ça doit être possible. Le train des vignes, Colibri CFF, RBDE 560-131. Ja, ich glaube, Frank, dass unsere Bahnshow langsam in eine Modeschau wechselt. Wir haben hier wieder ein Das ist übrigens, das sage ich vor allem für die Besucherinnen und Besucher, die Geschwindigkeit dieses Doppelstockzuges 130 km/h, 4350 PS. Ein kleines Wunderwerk, Hersteller der Schweizerischen Lokomotivmaschinenfabrik Winterthur zusammen mit Et là, on change d'époque. Une fois, on voit ici sur le réseau express régional, le RER de Zurich. Le circuit, si vous passez par là, vous avez un circuit parce qu'on voit qu'il y a 115 rames à deux niveaux de ski qui peuvent venir par deux ou par trois. Alors, quand on s'en arrive, Il est vrai qu'il a un boulouk, cette RE44, à mi-chemin entre les locomotives italiennes et puis les locomotive française. Elle ne fait pas très suisse, mais il est bien suisse hein, quand même, puisqu'il est bien sûr très fort. Environ
230 km in der Stunde ist Sinnbild für die Bahn Zukunft. Ich glaube 2000 wird zur Zeit auch in Norwegen, Finnland, China. C'est une jeune fille très élégante, une automotrice articulée légère du central turgovien, qui est une solution très moderne et très économique pour les trains régionaux. C'est quelque chose de léger, c'est une tonne, ça. Des chemins de fer fédéraux, locomotive diesel, style européen, construite à 40 exemplaires pour les chemins de fer fédéraux en 96. C'est un modèle quasiment tout neuf. Superbe train que ce Trans-Europe Express qui circule encore aujourd'hui. Si vous en avez la nostalgie, Sébastien Jacobi va nous le faire savoir entre Berne et Fran. C'est lui qui relaye. Position aus dem Jahre 1983 und wie gesagt, dieses Fahrzeug gehört zum Fahrzeugpark der SBB. Die Züge fahren zwischen Paris und Lausanne bzw. zwischen Paris und Bern und das auch schon seit über 10 Jahren. Manchmal hat man doch das Gefühl, der TGV ist Vollgeschwindigkeitszug in der Schlagzeile gestanden. Wir haben hier die Komposition Nummer 112. TGV français, ça roule un petit peu moins vite, 250 km à l'heure, ça développe un petit peu puissance, 12 900 chevaux, c'est différent, c'est pas des poches. Celui qui ne prend qu'un serveur.
Freud-Züge, die uns das Morgen bringen, dass Freud uns ganz besonders das Leben auf der neuesten Generation von europäischen Geschwindigkeitszüge, den ICE, den Intercity, das Deutschland zeigt, ursprünglich bezeichnet man mit ICE, den Intercity experimental, aber in der Zwischenzeit ist das Experimental. Länge 410 Meter, Großgeschwindigkeit 200 km/h. Im Moment sind 16 Sonnen in Betrieb genommen worden. Der ICE ist ein Gemeinschaftswerk von ABB Henschel, AEG, TIS, Kraxi-Maffei, Siemens. Sie sehen also Spitzentechno, Technologie, der bekanntesten und größten Unternehmen. Diese Oui, c'est celui-là, il a dit que c'était le premier, la première scène. Il y a des sources. Voici la suite. La suite, c'est pour toi, c'est pour moi. Voilà. Oh, c'est bien égal, je peux une Farbe prendre. Also, der dritte im Bunde hier der europäischen Hochgeschwindigkeitszüge nach dem TGV und nach dem ICE, das ist der Pendolino Cisalpino, unser Oh, it's